beaucoup, M. Delbecq. Premièrement, j'aimerais aussi partager les pensées de Philippe relativement aux gens de Boston. Moi, quand j'ai vu ça, c'est tout de suite à toi, Philippe, que j'ai pensé. Je sais que tu es un marathonien, toi aussi. Puis je sais que tu l'as déjà fait aussi. Non, mais en fait, cette semaine, j'avais un marathon, mais ce n'était pas à Boston. Mais en tout cas, j'ai... Merci, Alain. Je partage aussi tes pensées. Relativement à la soirée de ce soir, moi, le mot qui résumerait bien mon intervention, c'est bien évidemment déception. J'ai entendu ce soir des membres du Conseil dire que nous, le Conseil et les citoyens, nous avons les mêmes objectifs. Bien, je suis désolé, mais je ne pense pas. J'ai entendu, selon vous, les écologistes, c'est jamais assez. Ce que les élus ne semblent pas comprendre, c'est qu'on a déjà été trop loin. On a déjà trop coupé. Il faut préserver ce qui nous reste. Le peu qui nous reste, il faut le préserver. Il faut revoir la façon qu'on développe Saint-Jean-sur-Richelieu puis protéger les dernières parcelles qu'on a. C'est beau d'avoir un discours là, écologique et un discours vert, mais au-delà du discours, c'est les gestes qui comptent, c'est les décisions qui comptent. On ne peut pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. On ne peut pas dire qu'on est pour la préservation des boisés et permettre la destruction d'une bonne partie du bois des Colibris pour l'aménagement du complexe sportif. Ce soir, le Conseil a manqué une bonne occasion de faire preuve de vision, puis de voter pour la création d'un magnifique parc nature au cœur de notre municipalité, justement en bordure de nos installations sportives. Évidemment, comme Maxime l'a soulevé de nombreuses fois, le fait de garder tout cet espace-là au développement, ça va venir éliminer la zone tempo, ça va empiéter sur le boisé actuel et l'accessibilité au boisé va être diminuée. Donc, on avait l'occasion ce soir de poser un geste historique pour la création de ce parc nature-là et malheureusement, le conseil municipal est passé à côté. Je suis vraiment, vraiment déçu. Puis, avec ce que j'ai entendu ce soir comme discussion entre les élus et les citoyens, bien, je pense que ma proposition de venir spécifier dans notre code d'éthique la notion de respect des élus envers les citoyens, je pense que c'est plus nécessaire que jamais. Merci, M. le maire.